Voilà, en tout cas pour MRE24, 2 ans, je pense, j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'ils sont sur le terrain, depuis qu'il y a des années qu'ils sont occupés. On les voit pratiquement partout, ce sont des gens qui essayent effectivement d'apporter l'information à tous ceux qui ne l'ont peut-être pas reçu. C'est aussi la voix des sans-voix, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas entendus, qui n'ont pas l'occasion d'être montrés en avant dans l'audio. On sait très bien que l'Internet, le Web TV, c'est quand même un peu le futur, puisqu'il y a beaucoup de gens qui veulent l'information à la minute, qui veulent voir l'information à n'importe quelle heure de la journée et n'attendent plus le journal de la TV de 7 heures comme on faisait avant. Et donc je pense qu'elle a tout son avenir, MRE24 a pris sa place sur le marché, en tout cas dans sa part. Maintenant, il faudrait effectivement, après 2 ans, qu'elle a prouvé de quoi elle était capable sur le terrain. J'espère que maintenant les autorités publiques vont comprendre que c'est une chaîne comme une autre qui a sa place et qui doit être soutenue comme elle doit être soutenue. Donc 2 ans, moi je lui souhaite, Inch'Allah, qu'on se retrouve d'ici dans 10 ans. Dans 10 ans. Merci beaucoup. Ah ben, je voulais juste souhaiter un très bon anniversaire à MRE24, en lui souhaitant évidemment de très très longues années d'existence, parce que justement, par rapport aux médias, c'est vraiment un média qui permet de véhiculer pas mal de choses au niveau de la communauté marocaine à l'étranger, et qui nous permet aussi, nous en tant que politique, aussi de pouvoir passer des choses et pouvoir aussi être en contact avec tout un chacun, ce qui n'est pas toujours le cas avec les médias typiquement belges. Et donc on les remercie vraiment pour ça, et longue vie en tout cas. Bon anniversaire à toute l'équipe de MRE24. Bonne continuation. Vous avez déjà fait beaucoup pour les Marocains de Belgique. Continuez. On est très heureux et très content de vous suivre sur YouTube, sur toutes les plateformes, sur les réseaux sociaux. Félicitations à toutes les filles et tous les garçons qui gèrent cette chaîne. Voilà, donc je suis heureuse d'avoir l'occasion de souhaiter donc à ce média qui est exceptionnel, un média qui accompagne tous les Marocains du monde, et heureux. 24. Donc, joyeux anniversaire. La télévision MRE 24 fête ses 2 ans d'anniversaire. En tout cas, si je dois dire un mot, je les félicite. Et je leur souhaite une longue vie. Et qu'on se verra d'ici quelques années. Parce que, tout simplement, ils font quelque chose de très important, un message. Vous jouez le rôle de pont entre la communauté belgo-marocaine et nos concitoyens marocains. Le message de rentrer en contact avec eux pendant toute l'année, en passant les activités, les événements qui se déroulent ici à Bruxelles et en Belgique en général. Voilà, bravo. Bonsoir à tous, bonsoir aux MRE du monde entier. Donc je prends le micro ce soir pour souhaiter un très joyeux anniversaire. C'est le second anniversaire de MRE24. Donc une web TV qu'on a vu se développer, grandir, croître, devenir de plus en plus solide, de plus en plus professionnelle. Je salue ici mon ami Saïd Saïdi, que j'ai rencontré il y a 2 ans. Donc voilà, longue vie à MRE24, longue vie aux présentateurs divers, longue vie à l'équipe de Belgique, longue vie à l'équipe de Hollande, et je sais qu'il y a d'autres équipes dans le monde entier, donc voilà, ça devient limite une multinationale, MRE24, et nous sommes fiers qu'une telle Web TV représente les Marocains du monde, les Marocains résidant à l'étranger, pour garder un lien affectif et fraternel avec leur pays d'origine, qu'est le Maroc. Donc, happy birthday to you, MRE24.